C'est parti pour des mois avec le coronavirus au Gabon. Selon le Premier ministre Julien Koguebe-Kale, la maladie est prévue pour durer jusqu'à la mi-juin, voire au-delà. Lui et son équipe proposent donc de s'adapter à une nouvelle forme de cohabitation homme-virus. Plus de confinement total, le gouvernement gabonais, conscient de la difficulté à garder les populations confinées dans leur domicile, opte pour le retour au confinement partiel pour les 15 prochains jours afin de contenir au mieux la pandémie. Dans la pratique, il s'agira pour les populations de veiller au respect du réajustement des heures de couvre-feu, dorénavant fixé de 18h pile à 6h du matin, du port obligatoire du masque dans les lieux publics et ce sur l'ensemble du territoire national, pour les entreprises, la promotion du télétravail, le réaménagement des horaires et pour les petits commerces et marchés, une réouverture progressive. Le Premier ministre gabonais a enfin rassuré l'opinion du maintien des mesures présidentielles telles que la disponibilité de l'eau pour les uns, la gratuité de l'eau et de l'électricité pour d'autres. Un plan de soutien économique sera également engagé.